La petite actu sceptique en moins de 10, bienvenue dans le petit point d'interrogation. Quel est le point commun entre tous ces visages ? Eh ben, c'est bien simple, vous ne les croiserez jamais dans la vraie vie. Pour une seule et unique raison, c'est que ces gens n'existe pas. Nvidia vient de publier les résultats produits par GAN, une IA bien flippante qui prouve une fois de plus qu'une photo, une vidéo, un témoignage, une bande audio n'ont jamais constitué et ne constitueront jamais une preuve. Mais au mieux d'excellents indices qui nous renseignent sur la nécessité de prouver la chose qu'on retrouve sur la photo, la vidéo, la bande audio, le témoignage, etc. Tous ces visages ont été générés par une intelligence artificielle. Et comme ça marche aussi avec les voitures, les chats et les chambres d'hôtel, eh ben je serais vous, je commencerais sérieusement à bien me mettre dans le crâne la différence entre une preuve et un indice. Il y a toujours avec Linda Moulton Howe, une journaliste indépendante qui affirme que 29 scientifiques auraient été tués dans un laboratoire par 4 robots tueurs en août 2017 au Japon. C'est la petite rumeur du moment qui se répand comme une traînée de poudre. Alors malheureusement, elle n'a aucune preuve de ce qu'elle affirme. Elle jure qu'elle tient cette info secrète d'une personne de confiance, mais quand on observe à quel genre de choses elle a l'habitude de faire confiance, hein, ce qui nous renseigne sur sa méthode, et bien on tombe sur des sujets comme les mystérieuses expériences de sortie du corps durant l'enfance, ce qui est caché en Antarctique, l'influence des extraterrestres sur l'évolution humaine, les dieux mythologiques pourraient-ils être d'anciens astronautes ? Moi je pense qu'ils pourraient aussi être des prespurés venus du futur. Bon alors voilà, peut-être que 29 scientifiques se sont effectivement fait dézinguer par Terminator, mais c'est certainement pas grâce à Linda qu'on pourra s'assurer que c'est une information digne d'intérêt. Article 13. Est-ce que YouTube va devenir aussi formaté que la télévision à cause de l'article 13 proposé par la Commission européenne ? C'est-à-dire ne diffuser que des contenus pour lesquels le YouTuber aura prouvé qu'il en est bien l'auteur ou qu'il a l'autorisation d'utiliser blablabla. C'est ce qu'ont cru une tripotée de YouTubers en cédant à l'appel insistant et alarmiste de Google au sujet des mesures en cours de négociation. Et avouez que c'est quand même très surprenant quand on y réfléchit. Et qu'est-ce qu'on fait proportionnellement à l'étonnement que nous procure une affirmation ? Plus elle nous réjouit, plus elle nous met en colère, plus on la vérifie. Alors pour vous la faire courte, YouTube fait du lobbying en dramatisant énormément la situation. Il existe en réalité non pas une mais trois propositions, trois textes de loi différents en cours d'écriture, de discussion, de négociation. YouTube a simplement pris le plus menaçant des trois textes à son égard pour en faire son cheval de bataille. Les infos en description calmeront cet état d'urgence provoqué par l'article 13. 13 en plus, il n'y a pas d'hasard. Réchauffement climatique, après le hashtag il est encore temps et le hashtag on est prêt, la nouvelle action anti-changement climatique s'appelle hashtag l'affaire du siècle. Alors, cette fois, il s'agit de quatre associations qui poursuivent l'État français en justice pour sa supposée inaction en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Hélas, on retrouve entre autres, sans surprise, Greenpeace derrière cette action. Et Greenpeace, si vous voulez, c'est un petit peu comme Darth Vader, hein. On peut pas objectivement dire qu'il y a que du mauvais, mais dès qu'on gratte un peu, on est vite déçu quand même. Alors pour vous la faire courte, hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps, Greenpeace se torche le derrière avec la littérature scientifique qui ne va pas dans le sens de sa pensée dogmatique. Et ça, c'est pas très bon pour les hashtags qui sont censés sauver l'humanité. Comme le dit Florent Martin, hein, notre très cher vice-président de l'Observatoire Zététique, Greenpeace détourne et gaspille notre indignation en balançant des chiffres et des infos qui sont totalement fausses et qui vont à l'encontre des études scientifiques, bordel. Et cette phrase est tellement belle que je vous la répète, Greenpeace détourne et gaspille notre indignation. Alors bien entendu, pour approfondir, bah, allez voir mes sources, surtout si vous avez envie de me faire la morale. Alors certains collègues ont quand même décidé de soutenir l'affaire du siècle, mais c'est à titre individuel et non pas en tant que penseur critique. Parce que en tant que penseur critique, on ne soutiendra une action écologique que lorsque celle-ci ne s'essuiera pas le derrière avec la littérature scientifique, c'est quand même la base. Parce que nous, on veut pas faire comme Greenpeace, qui dès qu'une étude contredit ses dogmes écolos sur le climat, que ce soit pour le nucléaire, le glyphosate, j'en passe, et bien sans le vouloir, en s'entêtant dans ses dogmes, Greenpeace donne des arguments aux climato-sceptiques. Donc mon conseil, bah, signez si vous voulez, mais s'il s'avère que l'action est pilotée par Greenpeace, méfiez-vous. Le Canard Enchaîné dénonce les abus de Meyer Saba, un médecin qui organise des formations professionnelles aux frais du contribuable. Alors jusque-là, c'est pas tellement anormal, mais il fait ça dans les palaces de la Côte d'Azur, le filou. Pour ne rien gâcher, le bonhomme s'octroie une rémunération qui dépasse tous les seuils habituels. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Mais parce que l'article de Capital, hein, dans les sources, ne mentionne pas que Meyer Saba, c'est aussi le médecin acupuncteur qui est à l'origine de la première série de 10 plaintes contre le mouvement Fake Med, qui réclame entre autres le déremboursement de l'homéopathie pour manque de preuves scientifiques. Que le monde est petit. Bon alors je vais pas faire dans la dominem, la persona, l'homme de paille, tout ce que vous voulez. Disons juste que c'est un petit scoop que je tiens de la part d'un informateur perso. Meyer Saba était présenté comme un simple médecin, il est un peu plus que ça, et donc il me semblait normal de lui rendre justice.
La journalosphère en PLS, parce que le 19-20 de France 3 a effacé le mot « dégage » d'une pancarte qui disait « Macron dégage ». Donc les mecs portent une pancarte « Macron ». Initiative prise par une chef d'édition parce qu'informellement, ils évitent de mettre des injures à l'écran, parce qu'ils ont peur de se faire taper sur les doigts par le CSA. Le petit sucre de l'histoire, c'est que quelques semaines auparavant, c'est un ajout qui avait été fait dans une image. Et cet ajout, c'était quoi? C'était un gilet jaune qui portait la mention « Macron dégage ». Comme le serpent se mord la queue, il y a tempête dans un verre d'eau et tout le monde prend ça très 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 au sérieux. Ont-ils été trop loin? La manipulation des images a-t-elle vraiment franchi un cap inacceptable? France 2, France 3 et France Info ont publié un communiqué pour s'excuser. Eh, France 3, je vous rappelle que la semaine passée, vous avez donné la parole à Serralini, LE mec qui a boosté les rumeurs infondées sur la dangerosité des OGM et du glyphosate. Hein, le truc que des centaines d'études contredisent. Si, si, allez voir mes sources si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous avez invité un authentique fabulateur à se défendre publiquement de la correction qui avait été faite à ses mensonges, permettant à cette rumeur populaire néfaste pour le fucking avenir de l'humanité de persister. Et vous voudrez qu'on vous applaudisse pour vous être excusé d'avoir laissé un graphiste effacer un mot d'une pancarte? Ah, oh, c'est grave d'avoir effacé « dégage », ça transforme toute la compréhension qu'on a du mouvement des Gilets jaunes. Et je respecte ce mouvement, hein. Mais Serralini, un type qui a perdu toute crédibilité scientifique, et qui milite sans le savoir pour que des gens crèvent de faim dans le monde, hein, afin de sauver sa petite carrière, bah aucun problème, hein, on l'invite sans lui opposer de contradicteur, tout va bien. Donc voilà, vivement que Gann s'occupe des illustrations du JT, tiens, j'aurais l'air moins atrabilaire. Actu de la chaîne à présent, Versus 3.4 est sorti, et vos réactions sont diamétralement différentes des épisodes précédents. Comme quoi, il fallait vraiment que je fasse la démonstration de la méthode que je présente sur cette chaîne. Peut-être que, pour que vous en compreniez l'intérêt, j'aurais peut-être dû le faire auparavant. Mais peut-être que maintenant, du coup, vous aurez un autre regard sur les Versus précédents. Néanmoins, le débat n'est pas terminé, puisque Reopen l'a dit à plusieurs reprises, dans la prochaine et dernière vidéo, nous expliquerons pourquoi certains militants tiennent tant à croire à l'hypothèse du complot ourdi seulement par Al-Qaïda, et comment ils parviennent à se convaincre qu'ils détiennent la vérité. À suivre, donc. Et c'est tout pour cette semaine. Cette émission vous était offerte par tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et les autres plateformes. Merci à vous. Vous êtes mon cadeau de Noël. Je compte sur vous pour les pouces bleus, abonnements, partage, tout le bordel. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête de Noël, quelle que soit votre croyance. J'espère juste que vous serez heureux. N'oubliez pas dans tous les cas de prendre soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne.